T'es musicien? Pas du tout. Alpina. Salut à tous, bienvenue aux portes de Chambéry aujourd'hui. Je vous emmène bosser chez Alpina Savoie qui fabrique ces délicieux creusets. Et on va découvrir et tester ensemble le job de Julien. Salut Julien. Salut Jerry. Tu vas bien? Ça va. Eh ben, je suis ravi de découvrir ton métier. Tu fais quoi ici? Je suis conducteur de ligne au conditionnement. Des creusets, des pâtes et du couscous. Eh ben, écoute, j'ai hâte de bosser avec toi. Eh ben allons-y, on va s'équiper. Allez, nouvelle étape de notre Tour de France de l'agro. C'est parti. Et alors, explique-moi ton quotidien. Moi, je viens pour 7h30. Je démarre les lignes de conditionnement pour le conducteur de ligne. Quand ils arrivent à 8h, c'est tout prêt. Okay. Et après, ils prennent la ligne. Donc, le conducteur de ligne, conducteur de ligne. Tu vas devoir suivre la fabrication. Donc, on a une partie papier pour la qualité. On a une partie qui peut être du réglage si jamais ça ne fonctionne pas correctement. Okay. Et après, on a une partie traçabilité où on va étiqueter toutes les palettes qu'on produit pour qu'on sache d'où elles viennent et jusqu'où elles vont. On est 3 unités autonomes de production. On a une unité qui fabrique toutes les pâtes, okay. Une unité qui fabrique le couscous. D'accord. Et nous, on fabrique les spécialités, les creusets. Et vous faites plein de variétés en plus. Alors, on a des creusets nature, ouais. On a des creusets sarrasin, d'accord. On a des creusets aux noix, wow. Et des creusets aux chanterelles. Et alors, dis-moi, il y a quoi dans tous ces sacs là? Ça m'intrigue. Alors ça, c'est des big bags de creusets au sarrasin. Là-dedans, il y a 1 tonne de creusets. Et dis-moi, pourquoi t'aimes bosser ici, toi? On a de la chance, on est une équipe qui est soudée. Si quelqu'un a une difficulté, une question, c'est pas son problème, c'est le nôtre. D'accord. On est vraiment là pour travailler ensemble. Et chez Alpina en particulier, qu'est-ce que t'aimes dans cette boîte, toi? C'est une grande entreprise qui, ouais, permet d'évoluer, qui permet de faire pas mal de choses, mais ça reste quand même une entreprise à taille humaine. On n'est que 150. Tout le monde se connaît, quoi. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas bon, là. Toi, ça fait combien de temps que tu bosses ici? Je suis rentré en août 2019 et je conduisais les lignes de conditionnement des pâtes. Et aujourd'hui, j'ai évolué vers les spécialités où on conditionne le creuset et en plus, je fais de l'ordonnancement. C'est quoi l'ordonnancement? Je m'occupe de faire venir les matières premières pour conditionner et je crée les programmes en fonction de ce qu'on doit conditionner par rapport à nos ventes qui sont prévues. Donc en fonction des commandes, c'est voilà. Ça. Et tu faisais quoi avant 2019? Avant 2019, j'ai embouteillé de l'eau. Ah bon? Juste à côté, à Aix-les-Bains. Ok. Et comme formation de base, tu as fait quoi alors? Alors moi, j'ai un BTS en industrie agroalimentaire, option industrie laitière. Donc là, il faut qu'on remette des étuis dans la machine pour pouvoir les remplir. On va la nourrir. Allez. Et en combien de temps tu vas me former? Pour entre 1 et 3 mois. Quelqu'un qui connaît rien va prendre à peu près 3 mois. On va venir régulièrement lui donner les informations qu'elle a besoin. Quelqu'un qui a déjà de l'expérience, en un mois, elle est autonome. Okay. Bon, et toi, si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire, tu aurais répondu quoi? Moi, c'est un de mes choix quand j'ai choisi dans quoi j'allais travailler. C'est-à-dire qu'on mange, ouais. Tout le monde mange tous les jours, donc il y aura toujours de l'emploi. Et en plus, j'aime bien manger les bonnes choses, donc j'aime bien savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette. Et tu regrettes pas? J'en suis jamais sorti. J'ai toujours eu du travail, c'est quand même formidable. Ah bah ouais. Et alors, les qualités qu'il faut pour ton job, ce serait quoi? Faut être très observateur, faut avoir l'œil de partout, faut avoir une excellente mémoire. Ça, c'est pas mon cas. Parce que un défaut qui arrive aujourd'hui, il reviendra. D'accord. Mais faut se souvenir de comment le résoudre et faut être très persévérant. C'est quoi ces différences? Et alors là, bah ça c'est l'ancien packaging. D'accord. Et ça c'est le nouveau packaging où on réduit le volume des boîtes. Donc plus petit. Plus petit. Mais il y a autant de quantité. Mais la même quantité. Ça arrive dans le magasin fin d'année. Produit sympa, naturel, fabriqué en Savoie. Il manque que le reblochon. Savoie. Mais t'as pas besoin de tout savoir, le reste on peut te l'apprendre. Team Creusiflette, sans aucun doute. Tout type de contrat. C'est au choix. Toutes les saisons sont belles pour venir bosser en Savoie. Et ben voilà, Jerry. On a bien travaillé aujourd'hui. On va pouvoir déguster. Oula, c'est quoi ça? C'est la creusiflette. La creusiflette maison. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour la découverte de ton job. C'est avec plaisir. Moi, je me suis régalé. Tu m'embauches? Encore un petit peu de formation et on est parti. Eh ben super. Et si vous aussi, vous voulez venir ici fabriquer des creusets, des pâtes, manger de la creusiflette, n'hésitez pas, postulez. Ils recrutent chez Alpina Savoie. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Julien, likez la vidéo et abonnez-vous.